Dans le monde de Runeterra, il existe une grande diversité d'espèces. Certaines n'ont même encore été jamais documentées à ce jour. Et pour ce premier chapitre, nous allons nous intéresser aux golems. Les golems sont des êtres artificiels, façonnés avec un semblant d'intelligence et de sensibilité. Ils possèdent de grandes compétences, leur permettant d'effectuer soit de nombreux travaux, soit une unique tâche, irréalisable pour un être normal. Cette espèce se divise en une multitude de formes, et les deux golems les plus connus de Valoran sont le colosse de pierre Galur, œuvre principale de l'artificier démacien Durant, et le colosse de métal Blitzcrank, construction à vapeur conçue par Victor. Mais on a également Malphit, l'éclat du monolithe conçu lors de la fondation d'Ixtal. Il fait partie des golems élémentaires. Orianna, elle fait partie des golems technologiques. Humaine à l'origine, elle est devenue aujourd'hui un être intégralement composé de pièces mécaniques. Zack, quant à lui, est un être créé à partir de matières organiques et inorganiques lors d'une fuite toxique. Il est une forme unique de golem. La première sous-espèce est le golem de pierre, fusion entre la flore, la faune et la roche de Valoran. Ce sont des êtres alimentés par la magie de la nature. Leur forme la plus petite est la sentinelle. Ionia, elles sont les gardiennes de la nature. Leur but est de protéger toute espèce sauvage, riche en magie telle que les arbres. Et si l'espèce sous la protection d'une sentinelle est endommagée ou périt, alors le golem se réveille afin d'attaquer la personne coupable de cette infamie. Yverne, quant à lui, se lia d'amitié avec un golem de pierre qui était sur le point de mourir. En effet, il lui créa un nouveau cœur et ce dernier devint son plus fidèle ami. La deuxième sous-espèce de golem est le Krug. Tout comme les golems de pierre, ces êtres animés par la magie sont la fusion de la flore, la faune et des roches de Valoran. Leur forme la plus grande est l'ancien Krug. Un jour, alors que Nunu et Willump étaient dans un village maudit où tout avait été transformé en pierre, ils virent sur une cascade gelée des Krugs. Leur nid avait bloqué le cours d'eau, empêchant ainsi le flux vital de Freljord de passer. Accompagnés d'une boule de neige, Nunu et Willump chargèrent le nid et le détruisirent, permettant à la cascade de libérer son eau. La malédiction ne fut certes pas levée, mais la vie était revenue et commençait à se répandre dans le village. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaît, même si c'est plus court, mais ça vous apporte également des informations supplémentaires sur l'univers de League of Legends. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, bref, tous les trucs habituels. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!